stress d'Alexandre Ribeiro. Ce blocage a pour but de dénoncer l'article 18 de la loi Elan qui vise à réduire de 90% les logements accessibles dans les constructions neuves. Elle fait également écho à l'action de nos camarades toulousains de mardi dernier afin d'envoyer un message d'union. Hier c'était Toulouse, aujourd'hui c'est Bordeaux, demain une autre ville et peut-être après-demain, ça sera tous en même temps. Alexandre et Raphaël, pourquoi vous êtes là ? On est là pour protester contre la loi Elan et plus particulièrement l'article 18. Et donc on est là pour bloquer la cimenterie de Lafarge qui trempe dans les affaires du gouvernement Édouard Philippe. D'accord. Et c'est cette loi Elan, donc, qu'est-ce qu'elle dit particulièrement ? Alors, la loi Elan, c'est que dans l'idéal, pour l'instant, la loi prévoit que les logements neufs qui sont construits, il y en ait 100% qui soient accessibles directement pour les personnes en situation de handicap, comme moi, comme Alexandre, etc. Voilà. Et avec la loi Elan, l'article 18 particulièrement prévoit que justement ce ne soit plus 100% des logements qui soient accessibles, mais seulement 10% avec le reste qui soit adaptable. Et donc, mais si quelque chose est adaptable, ça veut dire qu'une personne en situation de handicap va acheter un logement et un mois plus tard va pouvoir entrer dedans. Alors que... Donc oui, c'est pour... parce qu'avec la loi Elan, on imagine une personne en situation de handicap qui devient propriétaire d'un logement non pas adapté mais adaptable, la personne devra attendre un mois ou je ne sais pas combien de temps que le logement lui soit bien adapté alors qu'une personne validée pourrait entrer directement dans le logement. D'accord. Alexandre ? Oui. C'est toi qui as eu l'idée de cette manifestation et comment ? Oui. Et pourquoi ? Pour essayer de faire bouger les gens et de montrer à tous les handicapés de France qu'on peut se battre à l'état pour qu'on se voie. Aujourd'hui, on est seul et on arrive quand même à mettre le malheur dans les tournois. Regardez. Tout à fait. Merci. Tout d'abord, je tiens à dire qu'actuellement, ce n'est pas 100% des logements, car une résidence avec moins de 3 étages, en général, il n'y a pas d'ascenseur, donc seul le rez-de-chaussée est accessible. Ensuite, tout le parc immobilier ancien est inaccessible, donc la France manque de logements pour les personnes à mobilité réduite. Tout d'un coup, on est très loin des 100%, en sachant que le parc immobilier neuf représente moins de 2% du parc total. Autant dire 10% de 2%, c'est ridicule. Le gouvernement n'a aucun argument, à part l'optimisation des mètres carrés, et donc vendre plus cher, tout bénef, pour nos chers lobbies de l'immobilier. De plus, il n'a pas prévu de réserver les 10% aux personnes qui ont besoin d'un logement accessible. Donc une personne valide pourra occuper un de ces logements. Aussi, ces personnes ont une vie sociale. Comment va-t-elle aller à la crémaillère de son ami si celui-ci habite au deuxième sans ascenseur ? Sans oublier que la population française vieillit et ces personnes auront besoin d'un logement accessible. Là aussi, on craint avoir compris la stratégie du gouvernement, enrichir les EHPAD. Pourquoi Lafarge ? C'est une des plus grosses entreprises du bâtiment et lobby puissant français.
fait partie de la Fédération française du bâtiment. Celle-ci a fait un rapport en 2013 qui prévoyait déjà de réduire les normes alors qu'un logement accessible coûte 1041 euros de plus. Et puis, il a financé Daesh. Quel est l'objectif? Au niveau local, continuer les blocages de lobby avec plus de personnes sur différents combats, retraite, logement étudiant, etc. Au niveau national, un débat public avec Madame Cluzel afin qu'elle expose ses arguments de l'article 18, avec ce gouvernement qui gouverne à coups de com. Madame Macron qui se pavane dans la série vestiaire, je veux juste dire à Monsieur Macron, qui a dit à un citoyen horticole d'aller faire le serveur ou le plongeur dans des restaurants, que l'inclusion passe d'abord par un logement.